dites au général Solo que ça pourrait prendre un moment. S'il y a quoi que ce soit de récupérable, on le trouvera. Mais il y a eu beaucoup de dégâts. Ça fait un paquet de débris à trier. Attention, commandant. Une cible en approche droit devant vous. Bien vu, agent. On prend le relais. Regroupez-vous et préparez-vous à partir. Regroupement. C'est bon. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. C'est impossible. On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. Avec vous, commandant. Nous devons atteindre la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs TIE. C'est notre seule chance de rejoindre le Corvus. Agent Miko, vous partez devant. Oui, commandant. Ouais. Agent As, contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Bien, commandant. Je vous mets en communication. Amiral, l'escouade Inferno évacue Endor. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloane a ordonné la retraite. Quittons le système. Regagnez votre vaisseau, commandant. Survivez. J'avais les pères donnés du point de rendez-vous. À vos ordres. Quand ils auront atteint le Corvus, nous vous rappellerons. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Quelqu'un s'est trompé. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Non, il y a forcément autre chose. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'empereur a sous-estimé la force de l'ennemi. Et nous en avons payé le prix. Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Merci, agent Miko. On s'occupe d'eux. J'ai un visuel sur la patrouille. On devrait les abattre là, sur place. Vas-y vite, agent. Attends. Feu ! Je me charge d'eux. Patrouille neutralisée. Ils ont eu ce qu'ils méritent. Commandant, j'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Continuez, agent. Nous verrons ce que nous pouvons faire.
On doit aider nos soldats. Allez. Donnez vos positions et ripostez. L'escouade Inferno. L'Empire évacue Endor. Repoussez ces rebelles. Bien sûr, commandant. Comptez sur nous. Analyse des menaces. Thank you.
l'ascenseur. On se retrouve en haut pour récupérer ces TIE. À vos ordres. Reçu. Commandant, contact sur la plateforme. Les ennemis sabotent nos vaisseaux et nous empêchent de fuir. Descendez-les et sécurisez les chasseurs TIE pour notre fuite. Suppression extraction. J'ai vraiment hâte. En avant! Ce rebelle a des armes lourdes! Anne, prenez le premier TIE. Préparez le corpus pour la retraite. Bien, commandant. Inferno pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Je sais. J'ai du mal à croire que c'est tout ce qui reste. Cette destruction montre le vrai visage de la rébellion. Et c'est pour ça que nous battons depuis si longtemps. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincue. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera. Comme lorsque la première étoile de la mort a été détruite. On s'adapte, ou on meurt. Commandant, on a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. Demandez. Cette destruction montre le vrai visage de la rébellion. Et c'est pour ça que nous battons depuis si longtemps. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincue. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera. Comme lorsque la première étoile de la mort a été détruite. On s'adapte, ou on meurt. Commandant, on a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. Demandez les coordonnées du ralliement à l'amiral. Commandant, je capte des signaux de vaisseaux à l'extérieur du champ de débris. Il y a des impériaux? Très peu.
plupart se sont repliés ou ont été détruits. Et le destroyer stellaire de l'amiral? L'éviscérateur s'est positionné près du Corvus. Il semble être en parfait état. Vous vouliez me voir, amiral? Approchez. L'empereur est mort. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons riposter, commandant. L'Empire va s'attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre force. Alors, Eden? Qu'est-ce qui leur donne une telle force? L'espoir. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur. Un honneur que je veux partager avec ma fille. Amiral Versio, le moment est venu de commencer l'opération Cendre. Résistance, rébellion. Sédition,
Nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en cendres ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira jusqu'à votre cible. L'opération Cendre est le tout dernier souhait de notre cher empereur, mais aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Quelle est la cible, monsieur ? Vous n'êtes pas habilité. Cette information attendra. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. Allez, commandant. Faites notre fierté. Dans le cadre de l'opération Cendre, nous sommes envoyés au chantier naval de Fondor. Agent Ask, vous et moi, nous récupérons des satellites expérimentaux pour le destroyer stellaire Dauntless et assurons la sécurité du Moffret. Agent Miko, le Corvus est à vous. Commandant, nous contrôlons les satellites. Beau travail, agent. Le Moffret a informé l'amiral que l'opération Cendre peut se mettre en marche. Attention, attention. Les vaisseaux rebelles ont pénétré les